Coucou les Cildaires, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je vous souhaite un très joyeux Noël, plein d'amour, de douceur et de bienveillance dans la joie et dans la lumière. Une énorme pensée également pour celles et ceux qui sont seuls. Je pense à vous et je vous envoie plein d'amour et plein de bonheur à venir également. Surtout, ne vous découragez pas. Gardez la foi en vous, la foi en l'univers. Croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en la magie de la vie et surtout croyez en ces belles énergies qui vont arriver, ces nouvelles énergies avec cette nouvelle année. Surtout, n'oubliez pas que le meilleur reste toujours à venir. D'accord? Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle elfique? Eh bien, c'est Ansuze qui vous dit « Le souffle divin à chaque moment me soutient, ainsi l'inspiration facilement me vient. » Donc ici, vous allez être inspiré. Croyez en votre, croyez en vos idées, croyez en vous, croyez en votre créativité également. Donc ici, peut-être que vous allez devoir faire preuve de créativité. En tout cas, vous allez être inspiré, vous allez avoir des idées pour pouvoir avancer par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place également. Donc oui, vous serez inspiré, vous allez avoir des idées, vous allez carburer vraiment parce que vous voulez mettre les choses en place et puis vous voulez améliorer par-ci, vous voulez rajouter par-là par rapport à ce que vous voulez créer également dans votre vie. Peut-être que c'est par rapport à un nouveau projet aussi, mais en tout cas, vous allez vraiment être inspiré pour améliorer peut-être une étape d'un projet également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, si oui, vous êtes porté, amis Gémeaux. Donc, dans cette fin d'année, et puis surtout, vous allez être porté surtout dans ce début d'énergie de nouvelle année également. Peut-être que ce sont des énergies qui vous suivront tout au long également de 2023, mais ça, c'est à chacun et chacune en fonction de vos énergies et en fonction de ce que vous avez à vivre également. Donc, guidé par les sentiers, je ne peux plus me perdre car ma voie est éclairée de mille manières. Donc, vous n'allez plus vous perdre parce que vous savez. En tout cas, vous allez démarrer 2023 sur un chemin, sur le chemin que vous avez choisi. En tout cas, vous savez que si vous êtes sur ce chemin, ce n'est pas par hasard, vous l'avez choisi. Ou peut-être que quelqu'un a choisi à votre place, possible, mais je ne pense pas. C'est vous qui avez choisi ce chemin. Donc, ici, vous êtes guidé, vous vous sentez guidé, ou vous avez été guidé vers ce chemin. Mais en tout cas, ici, vous êtes prêt et prête à aller vers votre réalisation, vers votre épanouissement. Donc de toute façon, vous ne vous perdrez pas parce que vous savez que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne réalisation, vous allez enfin pouvoir vous épanouir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la naissance. Alors ça peut être la naissance d'un amour, la naissance d'un enfant aussi, peut-être que vous allez apprendre que vous allez être parent, c'est probable également, ou peut-être que vous allez apprendre une naissance dans votre entourage. En tout cas, ça peut être la naissance d'un projet également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, amis Gémeaux. Il y a quelque chose de nouveau qui va pointer le bout de son nez, possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Donc, la naissance de quelque chose. La naissance d'un projet sur lequel vous travaillez peut-être depuis quelque temps. Et ça y est, ça arrive. Vous êtes en train de faire les démarches pour que cela soit ancré dans la matière, pour que cela se matérialise, pour que ça se concrétise en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On parle de papier. Ben justement, vous êtes en train de faire des démarches au niveau papier. Peut-être que vous attendez aussi des réponses papier. Alors, en principe, avec l'oracle Ro, si vous attendez des réponses, des nouvelles, ça serait à l'envers. Là, elle était à l'endroit. Donc, c'est vous qui faites les démarches. Mais bon, à un moment donné, quand on fait les démarches, on attend des réponses aussi. Donc, moi, je vais vous dire que soit c'est vous qui faites les démarches, peut-être que vous avez fait déjà des démarches et vous attendez les réponses maintenant. En tout cas, par rapport à quelque chose, à un nouveau projet. Peut-être qu'ici, on fait des démarches aussi pour officialiser une union. Peut-être que c'est des démarches au niveau immobilier. Peut-être que ce sont des démarches au niveau administratif pour pouvoir justement officialiser et se marier également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a des papiers. Il y a des papiers pour concrétiser, pour matérialiser, pour ancrer dans la matière des projets. Que ce soit des projets professionnels, la création d'une auto-entreprise, par exemple. Ou que ce soit pour des projets pour au niveau
amoureux également ou autre, hein. Voyez comme ça peut résonner par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez aussi. Ici, on vous parle de quoi? On parle de fusion. Donc ici, ça peut être un partenariat. Peut-être que vous avez créé un partenariat, vous êtes en train de créer un partenariat avec quelqu'un. Ça peut être aussi une fusion au niveau amoureux. Donc ici, bah oui, on est en train de... la fusion, c'est bah, on va peut-être demander quelqu'un en mariage. Peut-être qu'ici, bah, on est fusionnel avec son autre. On se sent bien, on se sent complémentaire. Alors... Ici, il n'y a pas de dépendance affective, on est heureux chacun de notre côté, on est heureux quand on se retrouve également. Ici, il y a peut-être une volonté aussi de vouloir vivre sous le même toit, de vivre en couple également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, la fusion, c'est aussi peut-être trouver un associé, peut-être trouver un partenaire, peut-être trouver des sponsors, peut-être par rapport aussi à des sponsors à associer à votre projet également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment des jolies choses qui viennent ici. On sent que c'est une fin d'année, plein de projets. Il y a plein d'ébullitions et ça va continuer sur 2023, bien évidemment. Vous êtes qu'ici, vous en êtes encore à la phase de mûrissement de vos projets et la naissance viendra en 2023 avec toutes les démarches, avec tout ce qui vient après. Vous voyez comme ça peut correspondre à votre vécu. En tout cas, ici, il y a un partenariat ou une fusion amoureuse. Ça va apporter du changement, en tout cas, ici. Hein. Un changement, mais ça va apporter du changement pour aller vers la paix. Ici, on ressent la paix, mais c'est vous qui devez faire... C'est peut-être vous qui allez tendre la main à une personne ici pour faire la paix. Alors peut-être que vous vous réconciliez avec un ex-partenaire, c'est possible. Ou peut-être qu'ici, c'est une réconciliation avec des personnes autour de vous qui n'ont pas toujours été là pour vous encourager. En tout cas, ici, il y a quand même, avec cette couleur verte, il y a quand même une guérison. On a une guérison à l'intérieur de soi, on se sent guéri. Peut-être qu'ici, vous faites la paix avec vous-même également, peut-être par rapport à une relation passée. Peut-être par rapport à des blessures aussi, parce que maintenant vous avez compris que bah, vous en avez terminé avec cet épisode-là de votre vie, que vous aviez envie d'avancer vers autre chose, puisqu'il y a la naissance ici de quelque chose de nouveau. Donc ici, on a envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux projets, vers de nouveaux sentiments, vers une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. En tout cas ici, regardez le bleu, hein. On guérit certaines choses, on reprend confiance aussi et on retrouve de la sérénité. On se sent en harmonie avec ce que l'on a envie de vivre. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un aussi qui vous apporte la paix également. Donc ici, on se sent en harmonie avec soi, on se sent serein et sereine par rapport à ce que l'on vit également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais en tout cas, c'est vraiment de très jolies énergies, hein. Il y a une forme de paix. On finit l'année en harmonie avec soi, en harmonie avec ce qu'on est en train de mettre en place ou ce qu'on veut mettre en place en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de naissance. Mais il y a la naissance d'un nouvel amour. La naissance, c'est la fusion. Hein. La naissance peut-être de projets à deux, de projets de mariage, de projets d'officialisation. Alors, ça peut être un pax hein, aussi. C'est pas forcément se marier. Ça peut être se paxer. Ça peut être vivre sous le même toit également. Donc ici, la naissance aussi d'un partenariat également, d'une association également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment des nouveaux projets. On en a plein la tête et on trouve un bel équilibre en fait, hein. Ça vous amène du changement, mais un changement pour aller vers la paix comme on a vu, mais aller vers un bel équilibre, retrouver une belle harmonie aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que les papiers, les démarches que vous êtes en train de faire, des démarches administratives ou des papiers, les réponses que vous allez recevoir vont vous apporter la paix. Ce sont des réponses qui sont plutôt positives, ça vous apporte la paix. Alors, soit c'est vous qui avez fait des démarches peut-être aussi, juridiques ou autres, pour lesquelles vous attendez des réponses pour faire la paix, peut-être avec un ex-partenaire, peut-être aussi avec peut-être un ami également, peut-être qu'il y avait eu des conflits. Donc ici, on veut apaiser les choses parce qu'on veut passer à autre chose en fait. Hein. Vous n'avez pas envie de vous traîner ça encore sur l'année 2023. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous avez d'autres choses qui vous attendent. Vous avez, entre guillemets, alors j'aime pas l'expression, hein, mais d'autres chats à fouetter, mais pauvres chats. Moi en plus qui adore les chats. Donc vous avez, non, vous avez d'autres choses à faire. Vous avez d'autres objectifs à atteindre. Donc ici, oui, on a besoin de paix. On veut la paix. Et on fait ce qu'il faut pour avoir la paix. En tout cas, on tente de l'avoir. Maintenant, si l'autre personne en face ne veut pas la paix, ben c'est son problème. Mais vous aurez tenté. Vous avez votre conscience pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, c'est des belles énergies. On finit bien l'année. On commence bien l'année avec de nouveaux projets, avec des nouvelles envies.
Et c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et pour aussi l'année 2023. Mais on parlait d'inspiration, de créativité, vous allez avoir plein d'idées pour améliorer peut-être votre projet des bases, peut-être que vous allez avoir d'autres idées pour démarrer d'autres projets tout au long de 2023. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, encore un très joyeux Noël, de très belles fêtes. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les Balances, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle elfique? Eh bien, c'est Isa qui vous dit « De marbre ou de glace, mon calme est pur. » Donc, vous allez rester calme. Vous allez faire preuve de stabilité. Le calme, c'est ça. C'est qu'on est stable à l'intérieur, qu'il n'y a rien qui déborde. On a une ligne de conduite et on s'y tient. On est calme, on est serein par rapport à ça. On est serein par rapport à ses projets, par rapport à ce que l'on veut manifester dans sa vie aussi. Alors, « De marbre ou de glace, mon calme est pur. C'est que je suis partie au fond de moi. » En ermitage, dans mon âme, afin de retrouver le chemin de la lumière, car c'est là qu'elle se trouve. Donc ici, il y a peut-être une phase d'introspection pour vous cette semaine. On finit l'année, peut-être on débute l'année en introspection, parce qu'on a besoin de retrouver la lumière, on a besoin de retrouver le bon chemin, on a besoin d'être en accord avec soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans ses projets, dans sa vie également. En tout cas, vous allez chercher au fond de vous la lumière, vous allez la trouver, parce que vous allez... Ça va vous permettre de vraiment de faire comme un bilan sur ces derniers mois, sur peut-être ces dernières semaines aussi, et pour pouvoir dire, bah voilà, ok, il y a ça qui a marché, il y a ça qui n'a pas marché, et je veux aller vers ça. C'est vers ça que je veux aller, parce que c'est ça qui va m'épanouir, c'est ça qui va me permettre vraiment de me réaliser également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est plutôt de bonnes énergies, des énergies de construction, c'est des énergies vraiment, je retrouve ma lumière, je retrouve mon chemin, je sais vers quoi je veux me diriger, et c'est vers ça que je vais aller construire. Je vais tout faire pour aller vers cet épanouissement, pour m'éclater en fait, hein, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Avec qui était là? On parle de sagesse. Faites preuve de sagesse. Bah oui, le fait de se mettre en retrait, d'aller dans l'introspection, d'aller à l'intérieur de soi-même, c'est pour aller puiser cette sagesse, pour vraiment faire preuve de pas se précipiter et d'écouter véritablement son cœur, d'écouter cette petite voix intérieure, d'écouter son intuition également. Donc vous allez faire preuve de sagesse, vous n'allez pas vous précipiter, vous allez peut-être être dans l'observation aussi de ce qui est le meilleur pour vous. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, peut-être par rapport à vos projets, peut-être par rapport à une personne aussi, si c'est peut-être au niveau amoureux aussi. On vous demande peut-être de vous remettre en retrait et de regarder, d'analyser les choses pour pouvoir prendre la bonne décision également. Donc faites preuve de sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse, c'est ce qu'on vous disait. Faites preuve de sagesse avec la campagne, on parle de... Alors peut-être que vous allez faire preuve de sagesse en partant à la campagne, en allant en vous mettant en retrait, justement, on se met en retrait, on va se changer les idées, on a besoin d'évasion, on a besoin aussi de se changer des idées, on a besoin de ça ici pour peut-être se recentrer sur l'essentiel, sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur ce qu'on a envie de vivre, sur ce qu'on a envie d'éprouver également, sur ce qu'on a envie de ressentir aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. J'ai coupé parce que je pense que vous auriez entendu, c'est les enfants de ma voisine. Donc voilà, donc ici ça s'est mis un petit peu à crier, j'ai bien fait de couper la vidéo. Allez, on va aller voir la suite. Donc ici, besoin de se mettre en retrait, d'introspecter, de regarder les choses sous un angle différent aussi. Peut-être aussi de s'évader et de se retrouver également. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'érosion, il y a quelque chose qui s'use, hein. Peut-être dans votre foyer, peut-être avec votre partenaire de cœur, voyez, je ne sais pas si vous avez entendu, mais avec votre partenaire de cœur. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui s'use et quelque chose qui s'épuise aussi. Alors peut-être que c'est vous qui êtes épuisé aussi, parce que peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie dans un projet, peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie pour sauver votre couple, pour en tout cas peut-être pour faire en sorte que votre couple s'épanouisse également, alors avec plus ou moins de succès, peut-être avec du succès pour certains, parce que bah, votre autre a suivi, était plutôt enthousiaste, pour d'autres, bah, vous êtes épuisé à ça, parce que l'autre n'a pas suivi. Donc, à vous de voir. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui est usé, il y a quelque chose on a fait ce qu'il fallait, mais maintenant on est épuisé, quoi. On n'y arrive plus. On n'arrive plus à avancer et on a besoin de souffler, en fait.
Alors, ça peut être dans le foyer, ça peut être. C'est vous qui êtes épuisé parce que vous avez dépensé beaucoup d'énergie par rapport à une situation, peut-être par rapport à un projet aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, parce que vous êtes épuisé, parce que c'est usé ou vous êtes usé. Vous avez essayé de différents moyens. On vous dit que maintenant vous êtes devant un choix. Qu'est-ce que je fais? Je persiste et je finis par et je m'achève. Je m'achève à m'épuiser, à essayer de faire marcher une relation ou une situation qui n'avancera pas plus de toute façon. Ou alors, ben, je prends une décision et je change. Je change de voie, je change de partenaire, je change d'orientation également. Je fais des formations, je vais vers autre chose, vers un autre projet également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous êtes usé aussi par votre travail, vous ne vous épanouissez plus dans votre travail. Qu'est-ce que je fais? Je reste quand même dans mon travail parce que ben, j'ai un salaire fixe qui vient tomber tous les mois et que ben, de toute façon, on en a besoin à l'heure actuelle. Ou alors, qu'est-ce que je fais? Ben, j'essaie d'aller vers quelque chose d'autre. Vers quoi? Est-ce que vous avez déjà des projets? Est-ce que vous avez... Donc ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Par contre, si vous choisissez le fait de quitter votre emploi alors que vous avez, assurez-vous d'aller vers quelque chose quand même qui sera porteur et qui va vraiment assurer vos arrières, en fait, on me dit ici. Faites un choix, mais pas n'importe comment et pas de n'importe quelle manière également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Balance. Donc ici, on dit faites preuve de sagesse par rapport à quelque chose qui s'use, par rapport à quelque chose qui s'essouffle également. Donc peut-être que c'est juste parce que vous êtes fatigué, peut-être que l'autre personne est fatiguée si c'est au niveau amoureux, hein. Donc ici on dit que oui, peut-être dans les couples il y a des hauts et des bas. Donc ici ne vous emportez pas, ne prenez pas de décision, comment dirais-je, radicale ou irréfléchie. Faites preuve de sagesse, prenez le recul nécessaire, posez-vous les bonnes questions. Dites-vous bah, peut-être que laissez une dernière chance encore en disant bah, je vais voir. Ne vous précipitez pas, c'est ce qu'on vous dit ici. Ne vous précipitez pas. Ayez la bonne réflexion, ayez la bonne intuition aussi par rapport au chemin que vous voulez emprunter. D'accord? Là, le chemin, pour l'instant, il est à l'envers. Hein, d'accord? Si on était dans l'harmonie, on saurait vers quel chemin on veut prendre. Là, on ne sait pas encore, on hésite. Donc, on hésite, on se met en retrait pour faire le choix, justement. Le choix du chemin qu'on veut emprunter. Donc, ici, on se met en retrait, on se met au vert, quelque part. Hein, on se met en retrait, on se met en vert, on s'évade, on se change les idées, on a besoin de changer d'air, ou en tout cas, on fait un retour à l'intérieur de soi pour pouvoir justement faire le bon choix. Le choix qui nous mènera vers le bon chemin, le chemin auquel on aspire. Peut-être que certains d'entre vous avez déjà trouvé le bon chemin, pour d'autres, on se pose la question. On ne veut pas avancer n'importe comment dans cette nouvelle année, on veut aller sur un chemin qui nous ressemble, sur un chemin qui nous permettra vraiment de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous réconcilier avec des projets, enfin, quelque chose qui va, sur un chemin qui va nous apporter de l'épanouissement, qui va vraiment nous permettre de se sentir bien et en harmonie avec soi et en harmonie avec sa vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Balance, mais oui, il y a un chemin, vous êtes guidé. En tout cas, vous allez, ici, vous êtes guidé à faire preuve de sagesse, à prendre le repos nécessaire, le temps nécessaire pour réfléchir, pour ensuite faire le choix. Mais le choix, on vous dit, vous êtes guidé. Donc le choix, peut-être que certains d'entre vous savez déjà quel choix vous voulez faire, vers quelle direction vous voulez aller également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer, ami Balance, pour la suite de votre semaine et peut-être du début de votre année 2023, peut-être aussi sur certaines énergies courant 2023. En tout cas, moi, je vous souhaite, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle elfique? Eh bien, c'est Eowaz qui vous dit... Il faut parfois mourir à soi-même pour naître de nouveau et ainsi sortir de son étau. Oui, donc ici, il y a une façon peut-être... On parle de renaissance en fait. Hein. Vous êtes en train de, vous êtes en train de renaître ou vous allez renaître. Ici, vous devez peut-être terminer quelque chose qui est peut-être douloureux, peut-être compliqué, difficile, qui va vous provoquer peut-être du chagrin, de la peine, mais vous devez en passer par là pour renaître. Vous devez mesurer ce chemin ici pour pouvoir ensuite aller vers la lumière, pour aller vers de nouveau vers un bel épanouissement. Donc ici, on vous dit, une profonde métamorphose requiert toujours des sacrifices avec à la clé une belle surprise. Donc ici, il y a quelque chose que vous devez mettre fin à quelque chose que vous ressentez peut-être comme au départ comme un sacrifice, mais plus tard, vous comprendrez que finalement, vous deviez en passer par là. Vous n'aviez pas le choix d'en passer par là et que finalement,
Ça va vous amener à de nouvelles énergies, ça vous a amené vers une belle transformation, vers une belle évolution aussi, et vers peut-être des projets et des choix inespérés si vous étiez resté dans des anciennes énergies. Donc ici, c'est sortir de sa zone de confort également, c'est comment dirais-je, affronter ses peurs, ou en tout cas ne pas se laisser embarquer par ses peurs pour oser avancer, pour oser se dépasser également. Donc oui, ça va peut-être vous demander du sacrifice, d'heures, peut-être moins consacrer de temps à votre famille pendant un certain temps, mais c'est peut-être pour apporter un mieux-être par la suite, de meilleures choses aussi par la suite à votre famille, par exemple, hein. Après, remettez en fonction de ce que vous vivez, mais moi, c'est des exemples, c'est des messages qu'on me donne, donc et des exemples qu'on me donne, donc je vous en fais part. Donc ici, oui, ça va vous libérer peut-être aussi de fausses croyances, vous allez vous sentir plus libre de toute façon, libre d'action, libre de ressentir également. Parce qu'ici, bah, vous allez devoir vous allez prendre la décision de vous séparer de votre partenaire. Alors, peut-être que vous avez encore des sentiments, peut-être pour d'autres, vous n'avez plus de sentiments. Vous savez que c'est quelque chose qui va être compliqué, qui va être douloureux à faire, mais vous en avez besoin parce que vous avez besoin de retrouver votre liberté. Vous avez besoin d'avancer. Vous n'avancez plus dans cette relation et vous avez compris que maintenant, il était temps d'avancer et d'aller vers votre réalisation, mais une réalisation vraiment pour vous. Voilà. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon. Ce n'est pas des énergies évidentes, mais ça peut annoncer une renaissance, oui, pour 2023. On termine quelque chose pour renaître, en fait. Ici, on parle de l'absence, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine, il y a une séparation, il y a une rupture. Alors, peut-être que c'est une rupture avec un ancien vous, on rompt avec des peurs, on rompt avec des fausses croyances, on s'était mis des fausses barrières et on se manquait à soi-même et on en prend conscience. Donc du coup, on va faire tomber ces barrières, c'est possible. Donc il peut y avoir une séparation, une rupture. Peut-être qu'ici, l'absence de quelqu'un que vous avez perdu également, qui vous manque. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, on manque peut-être l'absence aussi de perspective pour certains. Certains, moi, je pense pas, hein, parce que les Verseaux, vous êtes quand même des personnes très déterminées, et c'est très rare que je ne connais pas de Verseau qui n'a pas de projet. Enfin, j'en ai jamais connu, en tout cas, qui n'avait pas de projet. Peut-être un projet qui fonctionnait pas, oui, et qui disait aussi, oh, ça fonctionne pas, mais bon, c'est pas grave, je suis en train de tester le projet d'une autre manière, peut-être que ça marchera. C'est des innovateurs. J'aime bien cet esprit parce que, oui, bon, ça marche pas de ce côté-là, on va aller tenter d'une autre manière. Ça, c'est le Verseau. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous manque, une absence, quelqu'un. Alors, n'oubliez pas que si vous avez perdu quelqu'un, cette personne est de l'autre côté. Ok, on peut plus la serrer dans ses bras, on peut plus l'embrasser, mais cette personne est toujours présente à vos côtés. Il suffit que vous pensiez à elle et elle est à vos côtés. Elle vous enverra toujours de l'amour. Regardez, peut-être que vous aurez des signes, peut-être que vous allez avoir des synchronicités, peut-être qu'elle va vous envoyer des messages par le biais du dialogue de film, peut-être par le biais d'une chanson également. Ou peut-être par le biais d'une pub également, vous allez avoir un message. Et il se pourrait bien que vous ayez des manifestations pour vous dire non, mais t'inquiète pas, je suis toujours à tes côtés. Tu peux pas me voir, tu peux pas me serrer dans tes bras, mais je suis là. L'amour ne meurt pas avec la personne. Hein. L'amour est toujours présent. D'accord? Donc l'absence, oh, il y a des masques. Hein. Vous vous sentez seul parce que vous vous sentez entouré, vous avez pris conscience qu'il y avait des personnes qui portaient des masques, qui n'étaient pas sincères, qui étaient hypocrites. Vous êtes dans le manque de sincérité et d'authenticité. Alors est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est dans votre vie familiale aussi? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a des prises de conscience. On prend conscience que finalement, on n'est pas entouré de personnes bienveillantes, on n'est pas entouré de personnes les plus sincères en fait. Hein. Donc c'est ça aussi qui me manque, c'est peut-être de la sincérité. Ça manque de sincérité autour de vous. Peut-être falloir apporter du changement. Hein. C'est peut-être ça aussi. Vous allez prendre conscience, ça vous fait de la peine. Peut-être que vous allez vous dire, mais je me suis trompée peut-être vis-à-vis de certaines personnes, c'est possible également. Donc ici, l'absence, ben, l'absence, c'est. L'absence, parce que je vais me séparer de certaines personnes, mais n'oubliez pas que l'univers n'aime pas le vide. Donc si vous tournez le dos, si vous vous éloignez de cette personne que vous avez compris qui n'était pas bonne pour vous, donc vous allez peut-être vous retrouver pendant un temps seul, mais pas longtemps, parce que l'univers vous pourvoira, parce que vous avez changé d'énergie, donc il va vous envoyer des personnes avec de nouvelles énergies, des énergies qui vous correspondent, qui vont vous permettre ici d'aller vers quelque chose de nouveau, vers de la nouveauté. Moi, je pense que 2023, pour certains Verseaux, pour certains d'entre vous, c'est vraiment un changement radical, hein, un changement radical peut-être dans les amitiés, un changement radical avec certaines personnes de votre entourage. Alors, je ne dis pas que vous allez changer radicalement du jour au lendemain avec tout le monde, hein.
Mais il y a quand même des... on va apporter des changements et ça va être des changements définitifs. Vous ne reviendrez pas dessus, vous ne reviendrez pas sur votre décision. Ici, on parle de sincérité. Soyez sincère avec vous, soyez dans la sincérité par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Soyez sincère avec les autres également. On parle d'authenticité. On vous dit soyez loyal envers vous-même. Soyez vraiment sincère par rapport à ce que vous voulez créer et manifester également. Donc ici, on parle de... la sincérité, c'est de la pureté également, hein. Donc soyez vraiment pur dans vos démarches, soyez vraiment sincère dans vos démarches. Elles auront toutes les chances de fonctionner en fait. Et ici, on vous parle de déménagement. Oui, soyez sincère parce que le changement arrive. Plus vous serez dans la sincérité par de vous envers vous-même déjà pour commencer, plus vous saurez vers quoi vous voulez aller, plus vous serez sincère sur le chemin que vous voulez parcourir par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, professionnels, amoureux, familiaux, par rapport à une passion, par rapport à ce que vous voulez. On vous dit que plus vous serez dans la sincérité envers vous-même, plus le changement sera impressionnant d'une part, sera lumineux d'autre part. Ça va vous permettre vraiment de vous ancrer également avec la couleur marron. On parle d'ancrage. Ça va vous permettre de construire sur de nouvelles énergies, sur de nouvelles bases aussi, pour reprendre confiance en vous et aller vers la luminosité, vers la lumière. Donc ici, oui, soyez sincère, vraiment véritablement sincère, vous envers vous-même, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser pour pouvoir avancer de belles manières. D'accord? En tout cas, il y a le changement qui vient. Il y a un déménagement. Peut-être que vous allez déménager, mais en tout cas, le changement va s'opérer pour vous, ami Verseau, parce que vous l'appelez, parce que vous le désirez, parce que vous avez décidé que maintenant, il était temps de vous libérer de choses qui ne vous correspondaient plus, de personnes qui ne sont plus dans vos énergies aussi, qui vous plombent plutôt qu'autre chose, pour avancer vers la lumière, pour avancer vers un renouveau, pour avancer vers ce qui va vous permettre de vous épanouir également et de vous éclater aussi. Ici, bah oui. Absence de sincérité, tout simplement. Il y a une absence de sincérité. Alors, de personnes dans votre entourage envers vous, de vous envers ces personnes aussi, possiblement. Bah, des fois, alors je ne juge pas, hein, parce que des fois, on est poussé à ça. On est poussé à ne pas pouvoir être sincère avec certaines personnes. Alors, pour pas les blesser, dans un premier temps, et pour se protéger, dans un second temps aussi. Donc, il y a une absence de sincérité, mais vous allez y apporter du changement. Vous allez trouver le moyen. De dire exactement ce que vous ressentez, de parler exactement de ce que vous voulez réaliser et mettre en place. Donc ici, l'absence de sincérité, ce sera derrière vous. Vous allez vouloir vivre une année 2023 qui colle beaucoup plus à ce que vous êtes vraiment, à ce que vous voulez vraiment. Pas pour faire plaisir aux autres, vous allez vraiment vouloir vous faire plaisir, vous. Allez vraiment vers ce qui vous permet de vous épanouir et qui va vraiment vous permettre de vous réaliser. Vous. Ici, eh ben, il y a du changement par rapport aux hypocrisies, par rapport aux masques. Alors, peut-être que parce que vous allez démasquer les personnes autour de vous, mais je pense que vous savez déjà de qui je veux parler pour la plupart d'entre vous. En tout cas, il y a du changement. On apporte du changement. On fait tomber les masques. On veut aller vers d'autres énergies beaucoup plus sincères, des énergies beaucoup plus épanouissantes. Donc, ici, oui, vous allez vous éloigner, vous allez vous défaire de ces personnes qui ne sont pas loyales envers vous. Et vous allez aussi changer d'attitude, vous allez vraiment vous montrer beaucoup plus sincère déjà envers vous-même. Et ensuite, vous allez vraiment vous montrer beaucoup plus loyal et authentique par rapport à vos projets, par rapport à la vie que vous voulez vraiment mener. Vous n'allez pas faire les choses pour faire plaisir aux autres, vous allez mener des actions pour vous faire plaisir à vous. Et vous avez bien raison. C'est comme ça que vous arriverez à vous épanouir. C'est comme ça que vous arriverez à mettre de la nouveauté et à renaître également. Voilà pour vous, amis Verseau. Ce sont des sacrées énergies. Hein. C'est très prometteur. Hein. Ça va. C'est pas très simple comme énergie, mais en tout cas, c'est pour aller vers le meilleur, pour aller vers une belle réalisation de soi. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et de ce début d'année, peut-être même vous inspirer tout au long de 2023 également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle fin d'année, de très jolies fêtes. Je vous souhaite encore un joyeux Noël, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.